Buck. Tu te souviens de moi? Ta mère s'appelait Sarah. Tu mettais du papier journal dans tes chaussures. Tu es recherché. Je ne fais plus ça. Des gens qui pensent le contraire vont arriver. Et ils n'ont pas l'intention de te prendre vivant. Capitaine, beaucoup de gens vous considèrent comme un héros. Mais certains préfèrent le mot justicier. Vous vous êtes arrogé des pouvoirs illimités et vous avez agi sans aucun contrôle. Et ça, le monde ne peut plus le tolérer. Je sais ce que Buck représente pour toi. Mais ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Vous avez l'intention de m'arrêter? Il y aura des conséquences. Capitaine, vous avez l'air sur vos gardes? J'ai eu une mauvaise journée. Si nous n'acceptons pas certaines limites, nous ne valons pas mieux que nos ennemis. C'est pas comme ça que je vois les choses. J'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Je voudrais seulement qu'on envisage toutes les possibilités. Les gens qui te tirent dessus finissent généralement par tirer aussi sur moi. Tu sais ce qui va se passer. Tu comptes vraiment t'en tirer à la force de tes poings? Qu'est-ce qu'on fait? On se bat. Je suis désolé, Tony. Si j'avais le choix, je ferais pas ça. Mais c'est mon ami. Comme je l'étais.